Vous avez, on se retrouve sur ETS2, on va découvrir ensemble la nouvelle extension de map, plus le nouveau Renault. Donc Iberia, c'est arrivé, vous savez très bien, c'est disponible que en point 40. Malheureusement, c'est pas disponible en multijoueur ni sur Pro Mode. Voilà, je préfère préciser. Le camion, c'est pareil, il est disponible, le nouveau Renault, le T, disponible que en 1.40, donc en mode campagne solo. Non, en multijoueur ni pro mode, c'est pas encore disponible. La version n'est pas disponible, c'est juste une bêta comme d'habitude. Du coup, voilà. D'un côté, c'est bien parce que regardez, on a enfin les doubles remorques qui sont disponibles aussi en Espagne et Portugal. Il y a des endroits sur la map, c'est très endroit, c'est très compliqué de trouver des doubles remorques. C'est soit en Norvège ou soit en Suède, mais il y a des endroits où on peut pas venir. Du coup, avec les doubles remorques, là vous en avez en Espagne et Portugal. Ça, c'est vraiment cool. On va regarder l'intérieur du camion. Donc oui, il y a des mods que j'ai installés. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y a des mods qui sont installés. Mais sinon, c'est pas disponible dans la version 1.40. Je préfère préciser. Vous avez du coup l'intérieur du Renault. Il est vraiment très joli. Regardez ce nouveau Renault. Au niveau du design du Renault, il est très beau. Je l'ai laissé en rouge comme le rouge de base, parce que c'est la peinture de base. Je l'ai laissé comme ça. Le petit téléphone qu'on peut accrocher sur la droite, vous avez soit ce téléphone là ou soit le téléphone avec le GPS dessus. Mais du coup, voilà le nouveau Renault. Il est très joli, j'aime beaucoup. On va y aller. On va découvrir ensemble du coup l'Espagne. Je vais vous montrer quand même la map. Vous avez Espagne-Portugal qui est juste ici. Vous voyez, j'ai pas la promenade. La promenade ne passe pas en 1.40 parce que c'est pas compatible. Voilà. Je préfère préciser parce que c'est pour éviter que des personnes me disent dans les commentaires, oui, mais pourquoi du coup le c'est pas disponible en multijoueur, parce que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui râlent en disant oui, mais c'est abusé, c'est pas disponible en 1.40. Pourquoi c'est pas disponible? C'est logique, les amis. Ça vient de sortir sur la version 1.40 bêta, donc la bêta. Pour l'instant, c'est juste au cas où s'il y a des bugs sur la map ou le camion. Pour l'instant, il fait des tests. Ils font des tests, c'est tout à fait normal. Ça va arriver un peu plus tard pour une prochaine mise à jour. On ne sait pas quand, mais ça va arriver pour les multijoueurs ou encore sur Pro Mode. Donc voilà, je préfère préciser parce que je vois beaucoup de personnes qui râlent en disant oui, mais franchement, ils font pas d'efforts. Ça peut arriver en multijoueur ou en Pro Mode. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Juste pour l'instant, c'est juste en mode normal, en mode campagne si vous préférez. Tout dépend comment vous appelez ça. Je mets ça la solo. Mais mode campagne, c'est pareil. Donc du coup, on y va avec le nouveau Renault. Je suis actuellement avec mon volant. Enfin, les amis, j'ai reçu mon volant. Alors j'ai déjà fait des lives avec sur le jeu avec mon volant, bien sûr. Mais je suis enfin avec mon volant. Mais c'est très joli de pouvoir jouer avec le volant. Alors je précise qu'il y a des mods aussi pour le graphiste. Si vous voyez qu'il y a des changements au niveau du graphisme, c'est juste des mods que moi j'ai, qui sont disponibles, qui vont être disponibles dans la description de la vidéo. Ils sont disponibles moi en 1.40, je ne sais pas s'ils vont rester après. Je ne les ai pas testés tous les mods bien sûr que j'ai pas vérifié, mais ils sont passés, donc je pense que ça doit passer. On regardera quand même avant de vous les ajouter s'ils sont bien tous activés, parce que j'ai pas tout regardé les mods. Du coup voilà. Mais sinon je trouve très joli le nouveau Renault. L'extension de map elle est très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez acheté ou pas? En plus, coup de poker pour eux, parce que du coup, on va peut-être passer les vitesses, ça sera mieux de passer les vitesses. Coup de poker pour eux, c'est que l'extension de map est sortie en à peine 1 heure. Ils ont fait une meilleure vente sur Steam. Le top 1 meilleure vente sur Steam, imaginez-vous. C'est un coup de poker pour eux, ils sont super bien. Donc tant mieux pour eux, en GG à eux, ils ont raison. 17 euros si vous voulez voir l'extension de map. Ça va arriver sur Instant Gaming, donc mon partenaire Instant Gaming, vous avez le lien en bas à droite. Il n'y a pas de. Les clés sont pas encore disponibles. Je ne sais pas quand ça va arriver sur Instant Gaming, mais ça va arriver. Mais il n'y a pas de prix encore sur Instant Gaming. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver. On ne sait pas quand. Mais ça va arriver sur Instant Gaming. Voilà. Il n'y a pas de prix. Je peux pas vous dire est-ce que ça va arriver plus cher ou moins cher. En français, ça doit être moins cher sur Instant Gaming. J'ai pas plus d'informations. Donc soit vous attendez et vous le prenez sur Instant Gaming. Soit vous attendez pour prendre l'extension de map, parce que comme je vous dis, l'extension de map est disponible que sur le 1.40 bêta en mode campagne, non sur multijoueur, ça va arriver. Du coup, on a des bouteilles d'eau, on est en 34 tonnes, et du coup, on est en double remorque disponible sur Espagne-Portugal. Ça, c'est très joli d'avoir les doubles remorques, parce que les deux remorques, c'est compliqué de les avoir sur des maps. Il y a des endroits de map où on ne peut pas les avoir. Donc du coup voilà,
On les a. Ça donne très envie de voyager. Hop, on va se décaler. Tac. Donc voilà, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez de la nouvelle extension de map, Iberia. Alors, je donne pas le nom Iberia, mais je dis Espagne Portugal parce que voilà, Iberia pour moi c'est Espagne Portugal. C'est juste le nom comme ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que du coup vous l'avez acheté? Est-ce que vous attendez du coup la sortie de la 1.40 en multijoueur pour pouvoir acheter du coup l'extension? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui les attendent. J'en sais rien. Dites-moi-les dans les commentaires. Ce que vous en pensez du nouveau Renault? Est-ce que vous l'avez aussi testé ou pas du tout? Est-ce que vous trouvez ça un... Est-ce que vous êtes déçu? Que vous trouvez ça intéressant? Voilà. Donnez-moi tous vos commentaires. C'est... Voilà. Vos retours sont intéressants. Donc je précise, au niveau des rétroviseurs en haut, à droite et à gauche, c'est un mode qui est disponible. Ça sera cool que le jeu puisse les ajouter en mode multijoueur. Franchement, on va pas se cacher. Dites-moi-le dans les commentaires, mais c'est plus joli les rétroviseurs comme ça que les avoir sur la droite en mode fenêtre. Là, c'est plus joli d'avoir les rétroviseurs en haut à droite. Je trouve déjà qu'ils sont en haut à droite. Je trouve d'un côté ça fait un peu réaliste. Alors, réaliste, c'est-à-dire c'est que on les voit bien, ils sont en haut à gauche. C'est pas très moche. On peut voir les rétroviseurs sur le côté. On peut voir déjà le côté du camion. Vous voyez, le camion, même si je tourne pas la tête à droite. Je vois quand même mon rétroviseur, je vois quand même mon GPS, je vois quand même les décorations sur la vitre. Ça fait pas moche, ce que je veux dire. Mais je trouve que ça doit arriver sur le multijoueur et ça sera cool des fois. Qu'ils s'ajoutent des modes. Comme le GPS en gros, c'est intéressant. GPS information, la barre d'information, ça sera intéressant qu'ils l'ajoutent. Bon après, en bas, c'est juste un logiciel qui est disponible sur PC qu'on peut installer. C'est pour avoir les informations en temps réel, les feux, l'essence ou ce genre de choses. C'est en temps réel. Mais franchement, ça sera intéressant de les avoir en multijoueur. Est-ce que ça va arriver un jour? J'en sais rien. Mais franchement, ETS, si vous passez par là, faites quelque chose pour ce genre de choses. Ajoutez enfin ce fameux mode pour avoir le GPS en haut et pour avoir les rétroviseurs. Ça sera cool des fois. Je sais pas si ça peut vous coûter quelque chose, mais franchement, je pense que vous donnerez une nouvelle génération du jeu. C'est doué, hein. Mais je pense qu'avec ça donnera vraiment une nouvelle génération du jeu. Le jeu, il est sorti depuis longtemps. Moi, j'ai joué en 2016 au jeu. Je suis revenu il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai, avoir les rétroviseurs comme ça donne une nouvelle vie au jeu. On peut se dire que, waouh, le jeu, il a vraiment évolué. Bon, même s'il y a eu du changement. Mais on peut se dire que le jeu, il peut être magnifique. C'est vrai, ça sera plus joli avec les rétroviseurs comme ça. Le GPS en haut, comme ça. T'as toutes les informations en haut, t'as pas besoin de regarder en bas. En bas, la petite fenêtre en temps normal du GPS, il est moche. On va pas se cacher que le GPS en bas à droite qu'on voit à chaque fois, c'est horrible. Donc on saura mieux avoir le GPS en haut, les rétroviseurs en haut. Comme ça, on a des visions sur les côtés. On a vraiment la place et on peut voir des choses. C'est ce que je trouve. Après voilà, chacun son avis. Donc oui, avec le camion, là on va pas avancer. Mais c'est pas grave. On est limité à 90 de toute façon. Dans tous les cas, je peux pas aller trop vite. On a du 32 tonnes. Le camion, je l'ai pas vraiment custom non plus. Il n'y a pas trop de chevaux non plus pour l'instant disponibles sur le camion. Mais je le trouve vraiment intéressant. On va pas aller trop vite. De toute façon, moi, j'apprends à conduire encore avec mon volant. Mais du coup, voilà un peu ce qu'on peut parler du jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore au niveau des informations? C'est que la 1.40, on ne sait pas quand ça va arriver. Donc j'espère que ça va arriver très vite. Dans tous les cas. Et en même temps, c'est qu'il y aura pas mal de changements sur le jeu aussi, parce que c'est très bien, ils vont sortir 1.40, mais ils vont faire des mises à jour, ils vont faire des choses intéressantes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout ça, puis de découvrir ça ensemble, ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Ok, les amis, c'est reparti. J'ai eu un petit problème. J'ai pas compris le camion, j'ai tapé. C'est pas grave. On y va dans tous les cas. Il nous reste 3 heures de route, c'est pas très méchant. J'ai tapé un peu et le camion a complètement bugué. Ça peut arriver. Donc du coup, ouais, avec le camion, on n'avance pas vraiment. Donc oui, il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur le jeu, que ce soit du coup le graphiste, ils vont redessiner le graphiste. Ce que j'ai pu comprendre, il y a plein de changements qui vont arriver en multijoueur, bien sûr.
Pro Mode, nouvelle version qui va arriver aussi. Donc voilà un peu au niveau de tout ça. Soyez patient, s'il vous plaît, parce que quand je vois beaucoup de personnes qui critiquent sur les réseaux sociaux en disant oui, mais c'est pas encore disponible, vous faites pas des erreurs, s'il vous plaît, arrêtez. C'est juste, c'est énervant pour eux et c'est énervant pour les autres parce que le jeu, là, ils font leurs efforts. Que ce soit le développeur, que ce soit tout le monde fait les efforts. Donc soyez patient et arrêtez d'être pressé en disant oui, mais par contre, ils auraient pu faire l'effort d'ajouter le jeu directement au multijoueur, c'est pas tout à fait normal, c'est incompréhensible, ce genre de choses. Il est très bizarre le rond-point ici, à vrai dire. Mais voilà, soyez patient, s'il vous plaît, attendez un peu, ça va arriver dans quelques jours. Ça sert à rien voilà, d'être pressé et de. Voilà, faut juste attendre. Alors oui, je grille les feux, c'est pas grave. Pas très. Mais voilà, soyez prêts. Patience, arrêtez d'être pressé. Je dis ça parce que c'est énervant, je vois ça sur les réseaux sociaux. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, la version 1.40 bêta. La bêta, ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie au niveau du camion puis du DLC Liberia. Et je vois beaucoup de personnes critiquent, que ce soit encore sur les live Twitch ou ce genre de choses. Mais bon sang, arrêtez de critiquer un jeu. Là, ça vient d'arriver le mode. Le camion est arrivé et voilà. Soyez patient, ça va arriver en petit jour. Ne vous inquiétez pas. Sinon, passez le jeu en 1.40. Hein. Ça vous coûtera rien. C'était chiant pour vous jouer en 1.40 en solo, mais ça revient même. Hein. Et voilà. C'est juste mon point de vue, on va dire mon petit coup de gueule au niveau de ça. C'est juste chiant d'entendre des personnes se plaindre au genre de, pour ce genre de choses. En fait, c'est ridicule. Faut mieux que les développeurs travaillent dessus avant de sortir la 1.40 en multijoueur, que ça arrive trop vite et après que tout le monde rage ou râle en disant que ouais, mais de toute façon c'est buggé, on peut pas jouer, ce genre de choses. Soyez intelligent des fois. Faut mieux réfléchir 2 petites minutes en se disant que ok, la 1.40 elle est disponible que en mode bêta, que sur le mode campagne, comme là à la manière que je suis en train de jouer. Que ça soit disponible en multijoueur et au final qu'il y a des bugs. C'est ça qu'il faut se dire en fait, les amis. Il faut réfléchir des fois avant d'ouvrir votre bouche et de critiquer un jeu. Voilà, pensez à ça. Parce que oui, comment ça s'appelle? La saison est arrivée là, il y a quelques jours. C'est arrivé le 8, hein. On est que le 9, alors que moi je vous tourne la vidéo. Mais c'est arrivé le 8. Et oui, déjà quelques personnes qui râlent. Vous pouvez comprendre ce que je vous dis, c'est que bah voilà, vous pouvez vous en douter un peu que c'est un peu embêtant quand même pour le développeur du jeu. Il y a des personnes qui râlent en disant oui, mais ça doit arriver directement. Non, attendez un peu. Ils peuvent pas faire plus. Faut mieux qu'ils prennent leur temps, même qu'on s'arrive dans 1 semaine ou 2 15 jours, que arriver là, ça arrive trop vite. Puis il y a que des problèmes en multijoueur. Ça sert à rien. Alors je pense pas qu'il y ait eu déjà des problèmes en multijoueur. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais ça va aller très vite, de toute façon, il faut mieux qu'ils prennent leur temps avant qu'ils déploient la mise à jour en multijoueur ou sur promode et au final le jeu crash ou le camion bug ou ce genre de choses. Vous voyez? Faut mieux attendre, ça coûte à rien du tout attendre. Donc vous n'êtes pas pressé. Hein? Puis après vous avez tout le temps façon de vous plaindre et de jouer au jeu. Voilà. Pour information. Sur ce, abonnez-vous. Non, mais c'est. Voilà. Pour les personnes, pour changer de conversation, pour les personnes qui sont intéressées, que vous voulez faire des convois avec moi, après les 1.40, ça se passe sur Twitch. Vous avez le Discord dans la description de la vidéo, quand les 1.40 sera disponible. Et si vous voulez qu'on fasse des convois ensemble, pourquoi pas, j'ai rejoint moi mon côté une entreprise. Mais si vous voulez qu'on. Au dehors de l'entreprise, si vous voulez qu'on joue ensemble les après-midi, ce genre de choses, ça se passe sur Twitch. Vous rejoignez mon Discord qui est dans la description de la vidéo. Alors, petite information que je donne en supplémentaire, si vous voulez participer au convoi avec moi, si vous voulez qu'on roule ensemble, pourquoi pas, je vous dis pas non. Il faut juste être soit follow à la chaîne, soit sub à la chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi, ça va être grincer des dents quelques personnes. C'est juste parce que j'ai des quelques personnes qui rejoignent des fois wow, la remarque derrière qui penche. J'ai quelques personnes des fois qui veulent faire des convois avec moi, mais qui sont là juste 5 minutes, puis après les gens se tirent.
Voyez, c'est pas intéressant. Si vous voulez faire des convois, c'est des convois pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Voyez, c'est des vrais convois. Des convois de bonhommes. Pas des convois qui durent 5 minutes, ça sert à rien. C'est pas possible. Donc, voilà. C'est juste mon petit plus là-dessus. C'est que si vous voulez rejoindre les convois sur ETS, et vous voulez qu'on joue ensemble comme ça, tranquillou, qu'on se prend pas la tête, qu'on part à un endroit et tout, que vous avez pro mode ou pas, de préférence pro mode, qu'on puisse jouer ensemble. Mais soyez des personnes bien sûr motivées, que vous soyez là, vous soyez pas là juste pour 5 minutes puis après vous partez. Soyez là pour faire des convois. Si on se fait, si vous me dites bah voilà je veux jouer avec toi, est-ce qu'on peut faire un convoi? C'est oui, un convoi genre de 2-3 heures voire un peu plus. Et voilà, c'est pas pour passer 2-3 minutes ensemble puis se barrer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc soyez soit follow à la chaîne. Et soyez soit sub à la chaîne. C'est juste mon petit plus que je peux vous dire parce que voilà, c'est très embêtant. Vous pouvez comprendre que une personne qui est en train de faire un live et une personne qui rejoint en disant oh, je peux faire un convoi avec toi. Et tu fais perdre soit du temps à la personne parce que la personne t'attend, ou encore parce que la personne elle arrive et elle reste que 5 minutes. Ouais, voilà. Ça fait quand même perdre du temps à la personne elle préfère peut-être rouler tout seul ou jouer avec d'autres personnes que jouer avec des personnes qui pensent à que à eux, puis au final qui se pointent pas ou qui se pointent pour 5 minutes, ça sert à rien. Je peux comprendre que tout le monde est occupé, tout le monde ne peut pas jouer, ce genre de choses, mais soyez plus voilà, actifs quand même. Si vous voulez qu'on joue, il n'y a pas de problème, je vous dis pas non. Vous rejoignez le Discord et tout, mais soyez quand même actifs pour rouler. Ne venez pas juste pour 5 minutes, ça sert à rien. De toute façon, 5 minutes en trajet, ça sert. Voilà, on peut pas, de toute façon, dans tous les cas, ça soit vraiment des tics par quoi, mais dans tous les cas, on n'aura pas tant 5 minutes. C'est genre des convois de 1, 2 heures, 3 heures, et qu'on fait des longs trajets, et après on enchaîne sur d'autres convois. C'est ça que je veux. Donc voilà, c'est mon petit plus, je préfère prévenir. Voilà, au moins comme ça, vous le savez. Et en même temps, sur Twitch, on est bientôt à 1000 follow. Ça fait strictement plaisir, les amis, vous savez pas à quel point. Et pour l'arrivée des 1000 follow dans pas longtemps, je vais faire un live 20, 12 heures. Je préfère en parler comme ça, là, comme ça au moins vous êtes au courant. Pourtant qu'on roule tranquillement. On va faire un live de 12 heures. Donc si vous voulez participer, pourquoi pas, il y aura des convois sur ETS. Ou encore des petites games sur Apex. Voilà, d'autres jeux, vous inquiétez pas. Mais ça se passe sur Discord comme d'habitude. N'oubliez pas vous follow. Ça fait vraiment plaisir. Si on peut dépasser la barre des 1000 follow, ça fait strictement plaisir. Ça fait chaud au cœur. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes actives et voilà. Vous savez pas à quel point pour moi c'est très important. Ça fait voir que vous soutenez la chaîne, ça fait voir que voilà, ça vous fait plaisir. Même sur YouTube, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés depuis qu'on fait des vidéos ETS. Il y a eu les vidéos Fortnite, mais sur les vidéos ETS, on voit qu'il y a beaucoup d'abonnés. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Vous savez pas à quel point. Donc je remercie bien sûr les nouveaux abonnés sur YouTube et les nouveaux follow sur Twitch. Voilà. Un grand merci à vous tous. Vous êtes beaucoup à vous follow ou vous abonner sur YouTube. Pour vous, c'était rien parce que c'est gratuit. Mais pour moi, c'est important parce que bah, ça fait voir qu'on avance, ça fait voir que les vidéos vous plaisent. Même si on fait pas beaucoup de vues, ce genre de choses, mais ça vous plaît quand même parce que j'ai des retours commentaires et ça fait plaisir, ou des retours en privé. Et pour moi, bah, ça compte beaucoup, ce genre de choses. Que ce soit un petit retour, pas non plus un truc sur 3 pages, mais un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et même si vous laissez pas de message et qu'il y a juste des abonnés, ça me fait plaisir. Donc voilà, ça me fait chaud au cœur. Pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Notre client souhaite. Ouais, bah je vais arriver dans les heures, hein, détends-toi. C'est pas ma faute que ton camion, hein, il avance pas. Il faut arriver avant 16h. C'est bon. Il est sûrement 14h40. Il est largement bien, hein. Ton camion il avance pas pour l'instant, on a quand même du 42 tonnes, donc tes bouteilles d'eau tu veux les avoir. Non mais voilà, je préfère vous en parler un peu parce que bah, pour moi c'est quand même important. Et du coup voilà, je profite de vous en parler un peu parce que bah, je fais pas ce genre de vidéo des fois et des fois ça fait du bien d'en parler. Et là je vous en parle un peu parce que bah, vu qu'on entend rouler tranquillou, on découvre un peu le jeu. Et comme ça, si vous découvrez aussi la chaîne ou si vous regardez les lives, oh, il y a un accident à gauche. Ah, une vraie chicha, la voiture. Mais une voiture qui a pris feu. Si vous êtes là en train de découvrir la chaîne, si vous êtes là, vous êtes abonné depuis longtemps, mais voilà, ou vous n'êtes pas encore abonné et vous savez pas si vous allez vous abonner, au moins comme ça vous savez que même si vous n'êtes pas encore abonné, que vous allez vous abonner, ou j'ai pas regardé la route,
Autant pour moi, c'est ma faute. Je regardais le rétroviseur de gauche, en haut à droite plutôt. C'est ma faute. Mais ce que je disais, c'est que même si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous allez vous abonner, c'est voilà, je vous remercie d'avance. Aux futurs abonnés. Donc voilà les amis. On est bientôt arrivé, il reste 47 minutes. Si vous voulez qu'on continue la suite de l'aventure sur Liberia, ça se passe sur Twitch. Ma chaîne est dans la description de la vidéo, bien sûr. Avec tous les réseaux sociaux. Comme ça, vous pouvez voir la suite de l'aventure si vous voulez découvrir ensemble Liberia. Désolé. Espagne, Portugal, si vous préférez. On va continuer, bien sûr. On va pas s'arrêter là, hein. Même si c'est en solo, moi ça me dérange pas en tant que je me fasse des petits kilomètres, tant que je roule avec le petit Renault, j'aime bien en plus rouler avec le petit Renault. Les routes, ils sont agréables, c'est propre, c'est beau, voilà. Et puis, si vous avez des cargaisons à me dire, ou un camion spécial, bon, on va rester plutôt avec Renault, mais si, voilà, si vous voulez que je fasse des convois, vous me dites de quel point je pars en Espagne, jusqu'à où, jusqu'à en Portugal. On va rester beaucoup en Espagne, Portugal, alors j'ai envie de vous dire pour l'instant sur les prochains lives, histoire de découvrir un peu le jeu, histoire de rouler aussi de nuit. On l'a pas encore fait de nuit, là il fait jour. Donc on va voir pour rouler de nuit, ce genre de choses. En vidéo, c'est plus facile de jour que de nuit, bien sûr. Mais du coup, là, n'oubliez pas que tous les dimanches, vous avez une vidéo sur ETS 2 qui arrive, 17 h. En supplémentaire des lives, bien sûr. Va peut-être freiner, hein, des fois, c'est très important de freiner. Vas-y, Bob, avant, t'as ton camion, dépêche-toi, je vais me faire enculer par le propriétaire parce que je suis pas à l'heure. Ouais, je pars avec en 7e. Alors, c'est peut-être pas nouveau le bon bail, je pense, mais. Hein. Allez, on repart en 3e. Ouais, du coup, on ralentit de ouf derrière, on voit les bouchons. Les petits camions avancent, petits camions avancent. Je fais appuyer sur champignon. Pour l'instant, il n'a pas très envie d'appuyer sur le champignon, le chauffeur. Non, mais le camion, après, il a. On avance quand même, mais bon, il est un peu long, faut pas oublier. On est bientôt arrivé. C'est magnifique tout ça. Il est 15 h. Ah ouais, mais pourquoi j'ai dit 16 h tout à l'heure? Mais oui, c'était marqué 16 h, non? Je sais même pas à quelle heure qu'on doit arriver, en fait, je suis perdu. Madrid a découvert 5 sur 49. Et nous, on va tourner sur la gauche au rond-point, les amis. Alors, bien sûr, je vous ajouterai mon volant dans la description de la vidéo. Les personnes qui sont intéressées, je ne l'ai pas mis. J'ai 40 € sur Amazon. Mais du coup, tout simplement, le lien dans la description de la vidéo. Alors, j'ai pas pu faire une vidéo dessus parce que j'ai un problème avec ma caméra qui filme du coup mon volant. Du coup, voilà, j'ai pas pu vous faire un déballage du volant, mais c'est pas grave, je vous mets quand même le lien. Vas-y, rentre-moi dedans, vas-y. Ah bah oui, je t'embarque avec la remorque, hein. J'avais pas le choix de passer, hein, de toute façon. La remorque, je vais t'embarquer avec. Bon bah voilà les amis, j'ai envie de vous dire, tout s'est bien passé. On est arrivé à destination. Hein? Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus d'épisodes sur OTS ou d'autres jeux. N'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'extension Iberia plus au niveau de la du nouveau camion. Dites-moi ce que vous en pensez tout ça. Est-ce que vous avez hâte que la 1.40 arrive en multijoueur? Ça passe pas du tout. On doit frotter derrière un tout petit peu, je pense. Ouais, on va frotter un peu. C'est pas. J'ai pas pris assez l'argent, à vrai dire. Attendez, on va regarder ça. On va pas laisser ça comme ça. Ah ouais, on tape un tout petit peu. Ouais, mais c'est pas compliqué. C'est compliqué. Ouais, on va taper un tout petit peu, hein, c'est pas dommage. Et puis le moteur qui cale en même temps, on va pas se quitter là-dessus quand même. On va mettre les warlings.
Ah ouais, ça va être compliqué, hein. Je gère pas trop tout ça non plus. Je gère pas encore les. Les vitesses qu'ils ont sauté, c'est pas grave. Je gère pas encore les. Le volant. On va rouler un peu sur le trottoir, histoire de passer. Ça passe, hein. Ça va taper un tout petit peu, mais ça passe. On gère, hein. On essaie de se débrouiller. On sait que j'ai pas encore l'habitude de jouer avec un volant. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, j'ai envie de livrer quand même, j'ai envie de vous dire, c'est très important. Bon, bah allez, voilà les amis, on est arrivé à destination. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un maximum de pouces bleus. Donnez-moi tous vos retours dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve aussi très vite sur ma chaîne Twitch pour des nouvelles aventures. Allez, salut à tous!